Bonsoir à tous, si je puis me permettre.
Je suis un peu plus
on l'a invité ce soir, Mimi Chambon, nous porte-parole de mon est avocat. Elle est là, une table à la vie au matin. Oui, elle est heureuse. Kunjarogo, c'est la guerre. Kunjarogo, c'est la guerre. Kunjarogo, 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 c'est la guerre. Kunjarogo, c'est la guerre. DJ Keranova Solo Beton Mwana Mokena Mosolo Nae Le producteur en dollars Mosenzina Bleu Patopo, le patron de Blue Service Patrick Loge Perro Color, le roi de la sérigraphie Ibrahim Silla Soyez bien voyants et regardons du côté des vacations, mesdames et messieurs, monsieur le directeur le plus extraordinaire, si je puis me permettre. Bon, depuis tout bien ma possible. Bonsoir à vous du côté de Pointe-aux-Noires, bonsoir à vous du côté de Brazzaville, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore une fois, je ne puis que vous dire bon week-end à vous du côté de Brazzaville, bon week-end à vous du côté de Mfilou, Simon, Gomatete, Kibossi, Kibwende, Abon, Madia, Matombo, Brussel, les Bandas, Maseka, je n'oublierai pas Dolizy, Point Senior du côté de Pointe-aux-Noires, mon invité ce soir, Guy Richard Pandou, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous l'avons en direct, Guy Richard, bonsoir à toi. Non, on va reprendre, Guy Richard, bonsoir.
Bienvenue dans les bacs à chaud, Guy. En tout cas, le plaisir est pour moi de t'avoir en direct encore une fois dans les bacs à chaud. Avant de parler du Congo Brazzaville, tu m'entends là, Guy Richard? Oui, moi je t'entends. Est-ce que tu m'entends en retour? Superbement bien. Avant de parler de l'actualité congolaise, Guy Richard, je vais parler de l'Afrique. L'Afrique. Bonsoir. Ben oui. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi de t'avoir encore une fois en direct, surtout que tu représentes... Moi, je t'entends, Bob. Bon, mais moi aussi, je t'entends. Alors, l'Afrique, dis-moi, pourquoi ce désordre en Afrique? Nous avons vu le Mali, coup d'État. 40 jours après, nous avons vu un président qui est un général d'armée en retraite. Nous sommes aujourd'hui à 1 mois et 10 jours de l'élection en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara nous avait dit qu'il allait pas se présenter, il s'est représenté. Nous avons le Niger qui est dans une débandade totale parce que ça va venir, l'Afrique de l'Ouest. En ce moment-là, c'est marqué un peu plus calme parce qu'il y a eu des élections qui se sont passées entre 2016 et 2017. Guy Richard, qu'est-ce qui se passe en Afrique exactement? Bienvenue dans les bacs à chaud. Parle-moi un peu de la situation de Côte d'Ivoire. J'aimerais avoir ton avis dessus. Oui, merci Ibaka de poser la question. Je dis bonsoir à tous ceux qui me suivent à l'instant. Bonsoir à ceux qui en Afrique sont connectés. Bonsoir à ceux du Canada. Bonsoir à tous ceux qui sont à Paris et partout qui sont connectés sur les bacs à chaud aujourd'hui et qui ont bien voulu nous accompagner ce soir, excusez-moi. Oui, vous posez la question sur la Côte d'Ivoire ou l'Afrique en général. Bon, mon point de vue est tout simple. Moi, j'ai toujours pensé que lorsqu'on est un intellectuel, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a été à l'école, on a chargé ou surchargé sa tête, à la fin, on sort avec un papier qu'on appelle diplôme. Ça, c'est un aspect positif, bien sûr, pour la société qui devait aider à structurer ou à construire les États en Afrique lorsque vous êtes justement au sommet, n'est-ce pas, de ces pays-là, au sommet, voilà, vous représentez l'élite. Mais il y a un problème. On peut être intellectuel avec des gros diplômes, mais lorsque derrière vous êtes cupide, c'est-à-dire la notion c'est la cupidité. La cupidité et la vitiété. Ça, c'est des notions qui font que aujourd'hui l'Afrique se meurt. L'Afrique se meurt par ses propres enfants. L'Afrique se meurt parce que tuée par ceux qui, loin d'être patriotes, arrivent au pouvoir en pensant par le ventre. C'est ça qui arrive. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui, vous vous souvenez à l'époque, avec la notion de l'ivoirité, avait du mal à vouloir se positionner. Puis après, Laurent Gbagbo arrive, il enlève cette notion, bref, parce que conseillé par certaines personnalités, il avait donc possibilité ou accès, n'est-ce pas, à candidater. Et puis voilà, un jour il arrive au pouvoir de la manière que tout le monde sait, mais on ne revient pas sur ça. Et aujourd'hui, il a fait 2 mandats, je pense que c'est suffisant. Et lorsqu'on a 80 années d'âge, après avoir fait 2 mandats, moi, à ta place, il n'y aurait pas autre chose à faire que d'aller écrire ses mémoires. Il prendrait sa retraite tranquillement. Il se retirait pour écrire ses mémoires. Mais regardez là où il veut conduire ce pays, en fait. C'est un bain de sang qui se prépare si l'on ne fait pas attention. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo s'est vu, si vous voulez, lever ces interdictions, donc l'interdiction de candidater, l'interdiction d'avoir de casier judiciaire, l'interdiction d'avoir un passeport ivoirien. Tout ça, ça a été levé par la Cour africaine des droits de l'homme. Et donc demain, ils vont commencer à exiger, comme Guillaume Soro, d'être candidat. Donc pour Alassane Ouattara, c'est mort. Il n'a plus aucune chance officiellement de gagner cette élection-là, c'est sûr. Enfin, il a des ténors qui, dont la politique en Côte d'Ivoire en fait des exemples. Donc ça veut dire qu'il ne pourra pas s'en sortir. La seule voie qui lui reste, c'est celle de la violence, et c'est sûr qu'il s'est préparé à ça. C'est ce qu'il voudra faire, parce qu'il veut faire le jusqu'au boutisme, pour ne pas répondre de ses anciens crimes à la CPI.
Et surtout qu'on vient de révéler qu'il a utilisé de façon abusive, l'argent des PPTE. Ça veut dire que demain, c'est la CPI pour lui aussi. Il le craint. Et donc, pour éviter, n'est-ce pas, d'être ridiculisé à ce point, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est se cramponner au pouvoir pour un troisième mandat. Qui normalement, puisqu'il avait dit, hein, Patrick, il ne devait pas se positionner pour un troisième mandat lors du changement de la constitution, parce que c'était ça la condition. Donc, vous comprenez que c'est le côté, si vous voulez, cupide de l'homme qui se manifeste. Et là, c'est l'ego. L'ego. Il ne se soucie pas de ceux qui vont mourir bientôt, il ne se soucie pas des événements, de la casse qui sera. Mais pour lui, il faut rester. C'est pareil dans nos pays, à nous, en Afrique centrale. C'est pareil. C'est pareil. La cupidité contre le pouvoir pour le conserver, même lorsqu'on n'a rien fait, c'est rester au pouvoir à vie, alors que les populations meurent, alors que le chômage ne fait qu'augmenter, alors que dans les hôpitaux, on n'a rien fait, on ne peut même pas trouver un seul médicament, mais on veut continuer à rester au pouvoir. Donc, c'est un peu ce côté-là. Avant de parler du Congo, la situation au Mali. Qu'est-ce que tu peux nous dire, je voudrais avoir ton avis sur le Mali. Le Mali, c'est la révolution du peuple, la révolution populaire qui a conduit, n'est-ce pas, l'armée à prendre des responsabilités. Ce que, dans certains pays, les militaires n'arrivent pas à faire. Donc pour moi, pendant que tout le monde parle d'un coup d'État, moi je me dis, coup d'État, oui, parce que il a démissionné de lui-même après. Parce qu'il était fatigué. C'est sûr que c'est le colon blanc, le mauvais blanc, comme disait un certain André Mathiot à l'époque, qui lui exigeait, comme ça s'est fait au Tchad à l'époque, de rester au pouvoir, de continuer à rester au pouvoir parce qu'il ne trouvait pas qui remplacer, soit. Mais ce genre de politique, ce genre de démarche de la France, de la vieille France-Afrique, je pense que nous, notre génération politique devait dépasser ce genre de comportement de clivage. Lorsque vous avez fait votre mandat, vous êtes arrivé à terre et surtout quand le peuple dit qu'on n'a plus besoin de vous, parce que vous êtes locataire. Lorsque vous êtes président de la République, vous êtes locataire au palais. Et c'est le peuple qui est censé vous avoir placé. Et si ce même peuple dit qu'il n'a plus besoin de vous, comprenez qu'il n'a plus besoin de vous. Il n'y a pas autre chose à faire. Donc, Ibeka n'a pas entendu la voix de la rue. Ibeka a voulu résister parce que soutenu par ses amis, comme ils disent toujours, la France est avec nous, donc ils n'ont jamais été indépendants dans leur tête. Cette vieille classe politique, en fait, c'est ça. Hein. Ces vieux, ils ont été éduqués au bâton par nos colons blancs. Et donc, jusqu'aujourd'hui, pour eux, ils voient un colon avec un bâton devant eux chaque fois qu'ils parlent, même quand c'est un enfant, comme Emmanuel Macron, eux, c'est du TGA. Lorsque Emmanuel Macron leur dit des choses, pour eux, c'est le colon avec le bâton, comme à l'école primaire, à leur école, leur époque. Mais aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui est décomplexée. Parce que nous avons été à l'école avec ces gens-là. On sait qu'ils sont bêtes, ils sont idiots pour certains. Et donc, on traite d'égal à égal avec eux. Donc, pour eux, les instructions qui viennent de la France-Afrique devraient être respectées. Il y a bien d'autres réalités au pouvoir, je le sais, mais là, je crois que c'était tellement flagrant. Le peuple n'en voulait plus, il fallait arrêter. Il n'a rien compris, et bien voilà là où ça veut amener. Donc ça, ce n'est pas un coup d'État. C'est à la junte qui a pris le pouvoir de continuer de démontrer que ce n'était pas inutile de faire ça aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas soutenir un coup d'État, mais c'est soutenir une démarche qui vient du peuple. Lorsque ça vient de la base, c'est soutenable. Parce que le peuple n'en voulait plus. Il est clair. Le peuple n'en voulait plus, il est clair. On va parler du Congo, chez nous. Congo-Brazzaville. Effectivement, la dernière fois que j'étais eu sur mes ondes, nous avons parlé de la conférence, de la table ronde pour une conférence internationale qui va suivre après. Où en êtes-vous? Parce qu'il faut rappeler à toutes les personnes qui nous suivent que vous êtes le porte-parole du président Modeste Boukadia. Effectivement, la table ronde, vous en dites tout, parce que la dernière fois, tu vas donner tout un programme, hein, tout un programme bien défini, bien établi. Vous en êtes tout actuellement? Poser la question de savoir, parce que nous recevons justement des interrogations dans ce sens. La conférence internationale, les préparatifs avancent très bien. Je dis très bien parce que le contenu a été pondu, mis sur dossier et tout le monde est d'accord aujourd'hui. L'exemplaire a été envoyé à l'Union européenne, au Congrès américain, au Parlement français.
L'exemplaire du dossier sera envoyé à tous ceux qui seront invités, qui vont bientôt, parce que nous allons émettre les invitations d'ici là. Et c'est cet exemplaire-là qui servira de canevas pour la table ronde que nous sommes en train de projeter normalement au 28 novembre prochain. Mais les événements liés au Covid-19 en France, comme vous êtes censé le savoir, risquent peut-être de perturber le programme, mais pour le moment, la date arrêtée, c'est celle du 28 novembre. Donc, nous avons reçu des adhésions en masse. Donc, pour la table ronde, normalement, il y aurait quelques personnalités qui devaient être invitées pour essayer de regarder tout ce qu'il y a autour. Mais là, nous sommes vraiment à plus de 200. 200 partis politiques, 200 associations, vous voyez les individualités, les partis politiques, les associations, la société civile. Il y a d'autres invités qui vont arriver parce qu'il y a des personnalités du monde entier qui seront invitées, notamment le Vatican, les sociétés comme Total, comme Eni, les représentants des Nations Unies, le représentant du Congrès américain, en fait, ce sera les partis démocrates et républicains. Bref, ce sera justement après l'élection du nouveau président. Et donc, du coup, tout ça, les invitations sont en train d'être préparées à tous les niveaux. Et donc, ceux qui ne se sont pas encore enregistrés, qui veulent bien participer à cette table ronde, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que l'adresse mail, je crois, a été communiquée. Et du coup, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous sommes très avancés. Le contenu a été mis en place tout hier. Nous attendons juste que, au niveau du Sénat français, parce que c'est là que ça se tiendra, justement, que tout se passe, que tout soit, si vous voulez, calé, au sens où, par rapport au Covid-19, par rapport à leurs activités, que nous trouvons le juste milieu. Donc la conférence internationale, le table ronde pour la conférence internationale se tiendra à Paris, en France, sous il y aura des sponsors, hein, des grands sponsors qui sont là, qui déjà se sont prononcés, qui ont déjà contribué sur certains aspects, dans les finances, bien sûr, et il y aura une table ronde qui se tiendra sur 3 jours. Ça, c'est ce qui est prévu sur papier. L'ordre du jour sera, si vous voulez... Kéba. Oui, vas-y. On a établi séance tenante, mais nous avons fait tout ce qu'il y a comme canevas en matière d'organisation, d'emplacement, et la sécurité sera assurée par une société congolaise, notamment dirigé par Maître Ami Doulalay. Il en a l'expérience au niveau de la France. Il a dirigé toute une entreprise en France. Et donc, les aspects liés à la sécurité seront assumés par lui. Donc, c'est une société congolaise. On a bien voulu faire faveur à cette société-là de façon que les choses se passent bien et surtout qu'il y ait de l'assurance pour ceux qui viendront. Bon, donc, qu'il y ait de l'assurance pour ceux qui viendront. Ok, c'est ce que j'ai retenu, donc le 28 novembre, si tout va bien, si les conditions du Covid-19 se font adoucir, donc ça veut dire que cette table ronde pourra avoir lieu le 28 novembre, bien sûr, avec Total, Eni, tout ce que vous avez cité comme invité. Ok, mais moi je ne comprends pas. Recevront, donc ceux de l'opposition, ceux du pouvoir, associations et autres, recevront leurs invitations que nous sommes en train de préparer. Et à ce niveau-là, donc, je voulais rassurer tout le monde qu'il n'y a personne qui sera laissé à la rue. Et donc, nous sommes en train de travailler de façon à associer tout le monde. Il y a Patrick Otabo qui a anticipé à ma question, mais nous avons quand même eu la présence... à Paris, ici, de Madame Mounari. Madame Mounari qui représente l'IDCV La Plate, IDC Focar, JM3. Elle a organisé une rencontre des leaders de l'opposition. Mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas été invité. Et pourtant, vous êtes sur un programme dont vous communiquez depuis des mois, en parlant de table ronde, vous avez tendu la main. Mais je ne comprends pas que Madame Mounari, qui arrive ici, qui prépare... Enfin, je pose des questions. Comment se fait-il vous n'avez pas été invité, la main tendue de Modeste Boukadia, qui a été relayée dans tous les réseaux sociaux, et aujourd'hui, Madame Mounari arrive, qui représente l'IDC Focar quand même, je pense que la moindre des choses, c'était faire asseoir toute cette diaspora. La diaspora...
Comment vous a pas vu là-bas et pourquoi Modeste Boukadia n'a pas été invité? Écoutez, Madame Mounari est une femme politique congolaise que je respecte. Mais Madame Mounari, en tant que femme politique congolaise, a sa façon de gérer les choses. Moi, de l'éducation que j'ai reçue, j'ai toujours pensé, lorsqu'on arrive dans un environnement quelconque, il faut s'acclimater, premièrement. Et quand je parle de s'acclimater, ça veut dire qu'on se renseigne. Bon, je suis arrivé en France, moi je suis parti du Congo-Brazzaville, où j'ai un parti politique que j'anime bien. Je suis en France aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'en France, il y a des gens qui ont un projet? Est-ce qu'en France, il y a des partis politiques qui existent et qui ont un pied au Congo? Est-ce qu'il y a des associations? Voilà la première question que je me poserai. C'est comme si vous arrivez dans un village africain et puis, voilà, monsieur ou madame arrive dans le village, il ne demande pas le chef du village. Ça veut dire que, puisque c'est un village, il n'y a pas d'hôtel, en général chez vous, et donc, vous ne savez pas où dormir. Vous allez demander aux populations où est-ce que je peux trouver une chambre pour dormir, alors que nous, dans nos villages, nous sommes organisés de sorte que lorsque vous arrivez, le chef du village vous reçoit, c'est lui qui va vous orienter, voilà, pour votre logis, il va même tuer un coq pour vous. La dame est arrivée, elle a fait comme elle a voulu, hein, mais lorsque j'ai regardé leur communiqué final, vous constaterez qu'en fait, elle s'est adressée à ses militants et à ses anciens amis de l'UPADS, et ceux du groupe J3M. Voilà. Donc, elle n'a pas réuni la diaspora française. Donc, c'est là où il y a l'escroquerie politique. C'est une forme d'escroquerie politique lorsque vous arrivez dans un environnement comme Paris, où il y a plusieurs plateformes et il y a des gens qui ont des partis politiques comme M. Modeste Boukadia. Modeste Boukadia a un parti politique, attention, ce n'est pas une association politique. C'est pas, il ne fait pas du militantisme, c'est-à-dire que pas quelqu'un qui est là, non. C'est un président du parti. Il a un parti politique enregistré dûment au fichier des partis politiques au Congo-Brazzaville depuis 1997. Donc c'est un ancien parti. Donc moi, à sa place, je viendrai et j'aurai d'abord des contacts avec des hommes. Si elle ne l'a pas fait, et que derrière, après avoir réuni ses militants et ceux du Parti Congolais du Travail et ceux de l'association J3M, et à la fin, qu'on fasse un communiqué pour dire j'ai réuni la diaspora, je dis que c'est une escroquerie politique. Et quand c'est comme ça, moi je cherche de vous respecter. Je vais rebondir sur la question de François Ngoé qui est en ligne. Il dit Monsieur le conseiller, si le président Sassou refuse votre invitation, vous allez faire quoi? Monsieur, nous ne travaillons pas pour des individus. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Au Congo, il y a un groupe de gens qui travaillent pour le peuple. C'est-à-dire, ils sont la voix du peuple. Parce que la volonté populaire a été exprimée au sens où le peuple veut que les politiciens, ceux de la société civile, les confessions religieuses s'asseyent pour discuter de l'avenir de la République face à la crise économique qui est fatale, hein, fatale pour le pays et pour notre jeunesse. Ça, tout le monde est d'accord, ok? Quand je dis ça, que ce soit Madame Mounari, le président Sassou, tout le monde sait qu'il faut passer par là. Et nous sommes les précurseurs d'une telle démarche. Tous ceux qui viennent derrière, qui disent on tend la main, on ne tend pas la main, ou qu'il faut aller, il faut discuter, ils viennent après. Parce que nous, c'est depuis 2013 qu'on avait commencé à en parler. C'est nous qui avons lancé les premiers, hein, l'idée d'une conférence nationale BIS. On a arrêté nos militants, 29 de nos militants à l'époque ont été arrêtés, à cause de cette idée. Donc, il y a longtemps que Modeste Boukadia a jeté le pavé dans la mare. Ce n'est pas que hier. Donc ça, c'est une idée, si vous voulez, phare de la pour le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord qu'on se retrouve autour du Mbongi, du Kansa. Que ça soit appelé, que ce Mbongi soit appelé conférence nationale BIS, conférence internationale, que ce soit appelé dialogue, il faut trouver une nomenclature et une seule, parce que tout le monde est d'accord sur l'idée. Et donc, la question que pose notre frère et ami,
Si Denis Sassou Nguesso refuse la main tendue, qu'est-ce qu'on fera? Mais on fera en sorte que tout le monde, quand tout le monde est d'accord, que tout le monde s'asseye. Parce que c'est pas nous qui ferons, mais c'est le peuple qui fera. Le peuple congolais va les obliger tous à son point. Le moment venu, ça se passera. Ce n'est pas Modeste Bogadia qui va exiger aux gens. Non, tout le monde ressent le besoin de pouvoir. Tout le monde. Donc, il n'y a plus à dire si Sassou Nguesso, c'est un homme. C'est une personne. Donc, on ne va pas faire la volonté d'une personne. Nous, nous ferons la volonté du peuple parce que le peuple s'exprime aujourd'hui. Aujourd'hui, s'ils sont là, ils n'écoutent pas le peuple parce que le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Le peuple dira son dernier mot. J'ai toujours pensé ceci. Il y a eu Adolf Hitler. Il était très fort, il fabriquait les armes. Je l'ai déjà dit et je le répète. Il fabriquait des armes. Il a pensé qu'il pouvait massacrer, faire un génocide à grande échelle, en massacrant les Juifs, en les mettant dans des camps de concentration, en les mettant dans des chambres à gaz. À la fin, il ne les a pas tous exterminés. Il en a tué une partie, mais Adolf Hitler est mort. Alors que lui fabriquait les armes, alors que lui avait dit que le troisième Reich allait être fait pour durer 1000 ans. Il n'a pas fait 10 ans. Donc, c'est pour dire que l'homme peut proposer ce qu'il veut. Il peut planifier tout ce qu'il faut. Mais le jour du peuple, l'heure du peuple, quand elle sonnera, elle sera une seule. Là, nous leur avons donné la chance, en fait. Quand on dit on tend la main, ce n'est pas qu'on veut tirer M. Sassou Nguesso d'affaire. Non. M. Sassou Nguesso, où il se retrouve, c'est que son problème est international. Parce que les crimes de masse qui ont été commis au Congo-Brazzaville ne peuvent pas être jugés au Congo-Brazzaville. Non. C'est des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. C'est-à-dire, un caillou dans la chaussure, comme il le dit lui-même, a été extirpé. Donc, dans le pool qui était représenté comme un caillou dans la chaussure, on y a envoyé des militaires, on y a envoyé des soldats, donc, qui ont massacré, tué. Ça sort de la gestion de la République du Congo-Brazzaville. C'est pourquoi nous, on parle de conférence internationale. Donc, si M. Sassou Nguesso, ses généraux, ses soldats, sa famille, qui ont fait poser des crimes économiques, des crimes contre l'humanité, veulent sortir de la situation, je pense qu'il n'y a qu'une seule issue, c'est saisir la main tendue de Modeste Bogadia. Parce que c'est lorsqu'on parlerait de conférence internationale, c'est là où ceux qui soutenaient l'idée de la conférence nationale n'avaient pas compris. La conférence nationale, vous la tiendrez au Congo, elle n'aura pas la souveraineté internationale. Ce n'est pas possible. Mais nous, on est tenté d'associer la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine, le Congrès Américain, la France comme telle. Tous ceux qui soutiennent le Congo-Brazzaville seront là pour dire, voici ce qui a été fait. Vous, on vous prend comme troisième larron, membre de la communauté internationale. Voilà ce que nous vous aimerions faire. On va dire oui, c'est bien, oui, mais est-ce que vous ne pouvez pas vous arrondir les angles? On va trouver une solution pour le bien du Congo parce qu'on n'est plus à l'heure où il faut dire c'est toi le coupable, c'est l'autre le coupable. Et donc, Madame Ounari, comme le président de la République, Denis Sassou Nguesso, les deux sont dans la même situation. Il faut que Madame Ounari comprenne que lorsqu'elle vient faire ce genre de discours politique à Paris et en France, et on parle de la diaspora alors qu'elle ne nous a pas rencontrés, c'est une erreur gravissime. Parce que ce que nous faisons, c'est pour la tirer d'affaires. Vous vous souvenez que Mme Ounari était la directrice de cabinet à l'époque, hein, la présidente de la République, à l'époque du pouvoir de l'UPADF. Donc, les événements qui sont arrivés en 1997, mais elle en est comptable. Elle est comptable de ces événements. Aujourd'hui, le président Pascal Lissouba, paix à son âme, est parti. Il est tiré d'affaires. Mais elle est encore vivante. Qui va assumer ça? Après le président de la République, son directeur de cabinet était encore vivant. Je pense qu'elle est la tête, la seule qui peut répondre en fait de tout ce qui est arrivé. Mais on n'a pas encore fait le bilan de 1997. On n'a pas fait le bilan de 2012 à aujourd'hui. La conférence nationale avait fait le bilan des années 60 à 1991. Et lorsque nous sommes sortis de la conférence nationale en 1992, les crimes ont repris, mais les crimes de masse, parce qu'on n'a pas appliqué le manifeste ou les conclusions de la conférence nationale souveraine. Vu qu'il n'y avait pas, l'administration de l'époque n'avait pas mis en place une commission de suivi
application des ordonnances de la conférence nationale. Donc aujourd'hui, nous avons reculé, mais grave. Parce qu'il y a eu, on a appelé à la conférence nationale, parce qu'il y avait 3000 crimes, 3000 morts à l'époque, on disait, et les crimes économiques. Donc il fallait lever une conférence nationale. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 morts. Lorsque nous faisons la comptabilité par rapport au recensement qui a été mené en 92, et les chiffres d'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a 70 000 qui manquent à l'appel, au reste dans le département du Poudre. 70 000 lorsque vous regardez les faits. Donc ça veut dire entre 3 000 personnes disparues à l'époque qui ont compté la conférence nationale et 70 000, vous comprenez que l'écart est grand. Donc aujourd'hui, quand on dit main tendue, c'est une solution pour tirer tout le monde d'affaires et s'asseoir autour d'une même table pour dire nous avons caché l'avenir de notre jeunesse, nous avons failli. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, madame, on n'a rien concerné. Tous ceux des jeunes qu'ils ont utilisés de 1993 à 1997, ils sont concernés parce qu'ils ont besoin d'être amnistiés pour beaucoup. Nombreux sont en Occident parce qu'ils ne peuvent pas rentrer au Congo-Brazzaville vu ce qu'ils avaient fait à l'époque. Mais la main tendue de M. Boukadia est une solution pour tirer tout le monde d'affaires. Donc ça veut dire quoi? Refuser la conférence internationale, c'est se renier soi-même, renier son avenir pour cette jeunesse-là. Sauf pour ceux qui aujourd'hui savent qu'ils n'avaient rien fait, mais qui veulent juste que l'économie démarre. Et si on veut que l'économie démarre, il faut qu'on s'asseye pour repartir sur des nouvelles bases. Il faut qu'on s'asseye pour repartir sur des nouvelles bases, c'est ce que je retiens. Mais comment s'asseoir, M. Guy Richard Pando? Du moment que nous avons un gros problème, nous, quand je dis nous, peuple congolais, un problème d'ethnicité, un problème de tribalisme. Je vais réitérer les propos d'un voyou a pris ma vidéo, il a coupé pour faire son montage, pour essayer de mettre ça sur l'excitation à la haine. Je vais réitérer les propos que j'ai tenus dans ma dernière émission. J'ai dit pourquoi chaque fois, avant une élection, au Congo, ça date depuis des années, je ne vais pas revenir sur 59, mais il y a toujours les Bembe et les Congos. Toujours les Bembe et les Congos. Toujours. Aujourd'hui, nous sommes, j'en parle là parce que j'en ai parlé il y a 4 ans, M. Guy Richard Pandou. Je ne savais pas que j'allais le vivre comme ça et le vivre sur les propos que j'avais dit. J'avais dit il y a 4 ans qu'il arrivera un moment, une jeunesse montera au créneau pour essayer d'exploser, pour nous emmener un tribalisme que nous n'aurons jamais connu et nous n'aurons jamais vu. Et nous sommes en train de le vivre aujourd'hui sur Facebook. Et je réitère, pourquoi toujours les Bakongo et les Bembe? Et pourtant, je me rends compte, en 93, on a vu tout ce qui s'est passé, et en 97, on a vu tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une malédiction totale pour ce pays? Je parle en tant qu'homme politique, donc je ne crois pas à la malédiction lorsque je parle de politique. Moi, je vais sur des arguments cartésiens, une logique cartésienne. Ah, ça j'adore. Donc on y va. Pourquoi toujours les Bembe et les Bakongo? Moi, pour moi, il n'y a pas un problème de Bembe et les Bakongo. Il y a un problème de vision politique, simplement. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a eu l'UPADS. L'UPADS, il n'y avait pas que les Bembe. Il n'y avait pas que des Bakongo dedans. Non. L'UPADS a travaillé avec M. Jacques Joachim Yomi Opango, qui était Premier ministre. L'UPADS a travaillé avec M. Bongo Noara. Donc, ce n'était pas une affaire de BMB de ceci. Donc, le tribalisme, c'est une réalité que je ne nie pas. Parce que je la vis. Nous la vivons tous au Congo-Brazzaville. L'administration congolaise est bourrée que des mochis aujourd'hui. Donc, vous n'allez pas me parler que des BMB, que des Congo. Non. Aujourd'hui, le tribalisme est devenu une notion exploitée par l'État congolais. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une affaire de Bembe, de Congo, de l'Ari. Il n'y en a pas. Moi, je ne crois pas en ça. Tout ça, c'est des futilités. Ce qui existe en réalité, c'est l'inexpérience politique des uns et des autres. C'est juste ça. Moi, je tabule là-dessus. En matière politique, j'enlèverai le mot malédiction que vous avez prononcé parce que moi je ne crois pas.
Ok, d'accord, mais je vais revenir. Je vais vous expliquer, oui. Il n'y a pas un problème de malédiction. Il n'y a qu'un groupe, un groupuscule tribal a pris le pouvoir et pense qu'il faut gouverner sur la base du tribalisme. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. Donc, les bébés n'ont plus le pouvoir. Ils l'avaient, ils l'ont perdu avec l'IPADF. Les Bakongo, donc, ils n'ont pas le pouvoir depuis la chute de Massa Fadiba. Donc, il n'y a plus de Bakongo au pouvoir. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires pouvaient travailler pour faire disparaître le tribalisme. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont eu mille et une occasions. C'est-à-dire, sur le plan financier, tout ce qu'il fallait comme argent pour faire disparaître le tribalisme, ils l'ont plutôt encouragé. Vous avez compris qu'aujourd'hui, si vous avez une société au Congo-Brazzaville, pour vous, n'importe qui, si les bébés l'arrivent, vous allez créer une entreprise, ils vont chercher derrière pourquoi vous créez l'entreprise, qu'est-ce que vous voulez faire, plein de questions. Mais si vous êtes du Nord, vous créez une société, on vous encourage, vous avez les marchés de l'État, vous avez, voilà. C'est pour ça que la municipalisation accélérée n'a jamais réussi. C'est à cause de ça. Donc, il n'y a pas un problème de bébé Bakongo. Non, il y a un problème de M. Sassou Nguesso qui a institutionnalisé le tribalisme pour agresser les populations du Poule. Point barre. Donc, ça, c'est une évidence mathématique et démontrable. La chose pour laquelle j'aimerais ensuite intervenir, c'est ce que vous avez dit, qu'on a modifié, qu'on a pris vos propos et qu'on les a. Bon, ça. C'est grave ici. Mais vous comprenez que ce n'est pas les hommes politiques qui font comme ça. C'est des politiciens d'Internet. Il y a des gens qui font de la politique sur Internet. Il y a des gens qui, en fait, politiquement parlant, n'ont pas le niveau parce que non seulement ils ne sont pas formés, mais ils n'ont jamais milité dans un parti derrière quelqu'un. Voilà. La politique, ce n'est pas quelque chose où tu te lèves un matin, tu arrives, tu dis, bon, moi je veux faire de la politique, et puis tu deviens homme politique parce que tu fais des selfies sur, sur Facebook. Voilà. Parce que tu as écrit un article. Non, on n'est pas en politique comme ça. C'est un chemin, un cheminement qu'il faut vraiment, sur lequel il faut travailler. Voilà. C'est quelque chose pour la vie, c'est quelque chose qu'on aime et on l'a fait, on n'aime pas et on laisse. Bref, il n'y a pas un problème de tribalisme au Congo-Brazzaville. C'est un groupe, je dis bien un groupuscule tribal qui s'est accaparé de toute la richesse de la République, qui s'est accaparé des institutions de la République qui s'est accaparé de l'administration publique. Ça, c'est du tribalisme. Mais les Bakongo, les bébés, il n'y en a pas. Ce n'est pas une histoire, ça. Ça peut se régler. Si la volonté politique vient derrière, le tribalisme commun n'existerait pas. Moi, je ne crois pas en ça parce qu'au Soudan, vous savez, le Soudan. Le Soudan, en fait, c'est une seule ethnie, en fait. C'est une seule. Au Soudan, il n'y avait qu'une seule ethnie. Hein. Il n'y avait pas 52, 54 ethnies comme au Congo-Brazzaville. Non. Là-bas, vous arrivez, c'est pratiquement le même peuple. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se canapent là-bas. Ils se canapent. Donc, moi, je ne crois pas aux affaires du tribalisme. Non, je me dis que c'est la tête qui doit changer, la tête qui doit prendre. Et vous conduire le peuple, ce doit être des bases justes et véridiques. Si la tête change les institutions, si la tête a la volonté de bien conduire le peuple, au sens où on dit que l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, nous travaillons sur la base de la compétence, tout ça, ça va tomber. Nous avons au CDR, donc le chef des démocrates et républicains du Congo, notre politique, c'est pas sur des slogans, hein, genre espoir, espérance. Si vous voyez, je l'ai dit la dernière fois, si vous avez un candidat à la présidentielle prochainement, comme il veut l'aller, comme l'a dit Madame Mounari, elle veut aller à l'élection. Bref, nous, ce n'est pas notre philosophie, ce n'est pas notre vision aujourd'hui. Si vous voyez quelqu'un vous dire, moi, je suis le candidat de l'espoir, je viens pour l'espérance, je viens pour... Ça veut dire qu'il n'a aucun projet. Il n'a aucun projet. Lorsqu'on a un projet, on parle comme ça se dit au CDR. Nous, notre programme, c'est celui de mettre en place un marché intérieur de Congo. Et ça, j'ai discuté avec les cadres du président. J'étais en face d'un cadre du PCT il y a un an. Je lui ai dit, vous savez qu'avec la municipalisation accélérée, vous étiez capable de développer le Nord aujourd'hui. Vous n'avez même pas pu le faire, même pas commencé. Simplement, puisque vous êtes tribal, moi je vais parler du Nord, parce que je sais que j'étais en face d'un homme politique du Nord qui aime que son département, il était Moshi, donc eux ils aiment que Osio, ils aiment que les Moshi. Et donc je lui ai dit, vous avez manqué.
aucune une chance pour lui de développer le nord du pays. Il dit, mais comment ça? Dis-nous, on a investi de l'argent, la municipalisation, on a construit des hôpitaux, on a construit des mairies, on a construit des préfectures. Vous avez vu que ça a changé? Je voulais juste poser la question. Est-ce que dans 5 ans, vous serez capable d'entretenir les mairies que vous avez construites? Est-ce que les hôpitaux que vous avez construits, vous serez capable de les entretenir dans les 2 ans qui viennent? Non. Parce que vous n'aurez plus d'argent, justement. Vous n'avez pas pensé au retour d'investissement. Or, avec notre politique au CDRC du marché intérieur, nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ça veut dire que je me dis, on va par exemple faire la municipalisation accélérée, je prends à Evo. Evo, ce que moi je veux faire, c'est me dire ceci. À Evo, ils ont besoin de postes de télécommunication. J'envoie 100 agents, je vais envoyer 100 personnes. Ils ont besoin de l'électricité, donc la RDC. Ça veut dire qu'on va dire, bon, écoutez, il n'y a pas de barrage hydroélectrique, on va investir dans l'électricité, toute l'énergie photovoltaïque. Donc, c'est les plaques solaires. On va te dire aussi qu'ils auront besoin de communiquer. Donc, les postes de télécommunication sont là, ils auront besoin des infirmiers, ils auront besoin que leurs enfants aillent à l'école, ils auront besoin, bref, rien de ces 4 catégories. Donc, j'ai parlé de télécommunications, j'ai parlé de l'enseignement, de l'éducation, donc, j'ai parlé de la santé. Ça veut dire quoi? Créer une mairie et concentrer l'énergie autour de la mairie, toute la gestion de la chose publique, et créer un marché intérieur. Pour créer un marché intérieur, ça veut dire que j'affecte, je me dis, au poste de télécommunication, 100 personnes. Au niveau de l'enseignement, 200 personnes. Et ça veut dire que ce qui était nécessaire à faire à Evo, c'est construire des logements sociaux pour héberger ces gens. Et pour faire en sorte qu'ils restent à Evo, il fallait construire un centre commercial. Donc la gestion, par exemple, c'est un exemple, hein, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, voilà, mais je me dis, pour créer un marché qui va engendrer la consommation dans la zone, une petite consommation, et qui créera une économie locale très forte autour d'un maire, qui va gérer un centre commercial municipal, qui va gérer une salle de sport municipale, où il y a toutes les activités, comme ça ceux qui sont affectés à Ojo, parce qu'ils sont infirmiers, ils sont médecins, ils sont dans les postes de télécommunication, ils sont dans les transports. Quand l'État affecte des gens, qu'ils sachent que bon, quand j'arrive, je serai dans un appartement moderne, parce qu'il y a 500 logements, par exemple, sociaux, scientifiques. Maître Fenjou. Non. 500 logements auraient apporté en termes de revenus au niveau de l'État, déjà la taxe d'habitation, rien que ça, je l'inscris dans la zone, parce que vous avez, par exemple, un appartement que vous louez à 30 000 francs, conçu par l'État, géré par la mairie. Donc, ça veut dire que ça crée une petite économie locale. Et avec ces petits revenus, parce qu'ils vont consommer, hein, il y a un centre commercial municipal, il y a une salle de sport voilà, municipale, ils vont consommer forcément. Ça va créer une petite économie qui fera que demain je puisse amortir les installations dans lesquelles j'ai investi, les 4 milliards ou les 400 milliards. Bref, c'est un petit exemple. Il faut stimuler. Déjà, un, vous devrez créer un petit marché autour de Evo ou dans Evo. Ceux que j'affecte, si j'affecte 500 familles à Evo, qui sont infirmiers, qui sont enseignants, qui sont ceci, derrière chaque famille, il y a un neveu ou il y a deux neveux. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas seulement affecté 500 personnes qui sont bien logées, mais qui ont de l'énergie en plus, parce qu'ils ont l'énergie, les énergies renouvelables. Et ces familles auraient emmené avec 4 personnes derrière. Donc au lieu de 500, c'est 500 par 4. Et du coup, ça crée une économie locale. Bref, c'est ce genre de système qui, déporté dans chaque département au nord du pays, aurait fait, un, que nous aurions peuplé le nord ou créé une économie, parce que maintenant que je vous parle, si vous allez à Edou, à Evo, ce qui a été construit aujourd'hui est dans l'herbe, les stations-service, personne n'achète de carburant, mais puisqu'on n'a pas, il n'y a personne qui y vit. On peut acheter du carburant. Donc, les mairies, et même si vous mettez un maire à Evo, il sera là, il viendra dans un bureau où personne ne viendra faire signer un papier administratif. Il n'y a personne. Donc, il n'y a pas la population. Qui va consommer? Personne ne consomme. Donc, du coup, municipalisation accélérée, il y a Bozoba. Vous bénéficiez à 400 milliards parce que vous vouliez enrichir juste les sociétés de vos amis, de vos enfants. Bref,
soit vraiment déconfiguré, parce qu'il y a un pléthore parfois de cadres à Brazzaville, alors qu'à Edou, on en a besoin. Le médecin, tous les médecins sont concentrés dans Brazzaville, alors qu'à Edou, on en a besoin. Là, ils en ont formé. Ou en Espagne, c'est, non, je dis à Cuba qui parle espagnol, donc ils ont été formés en Espagne, en espagnol, avec des médicaments cubains. Voilà. On va dire qu'ils vont faire un stage de 6 mois dans des centres hospitaliers qui existent. Est-ce qu'en 6 mois, vous pensez, un médecin formé à Cuba, qui a étudié avec les médicaments cubains, parce que là-bas, il y a un marteau, qui a étudié avec les médicaments cubains, peut venir traiter des Congolais qui... Bon, bref, j'ai pas envie de rentrer dedans. Ok, Guérissa, s'il te plaît, j'ai envie de comprendre. Parce qu'effectivement, tu as parlé tout à l'heure de Madame Mounari. Je vais revenir dessus parce que Madame Mounari a dit qu'elle revient en novembre. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle, Guy Richard. Effectivement, votre proposition, nous sommes en train de le divulguer sur les réseaux depuis un an. Et pour beaucoup d'entre nous, pensions que c'est une proposition fiable. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut parler apaisement dans ce pays. S'il y a un message à transmettre à Madame Mounari qui revient, parce qu'elle a dit qu'elle revient ici entre le mois de novembre ou décembre, qu'est-ce que vous pouvez lui dire aujourd'hui en direct? Parce que je pense qu'elle l'écoute, parce que j'ai vu que tout son cabinet est entré dans l'écoute des Bakacho. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Peut-être même elle est là en train de nous écouter, Madame Mounari. Madame Mounari, qui est une femme politique très dynamique, je dirais juste une seule chose. C'est que la main tendue de M. Modeste Boukadé la concerne elle aussi. Je l'ai dit tout à l'heure. Elle était directrice du cabinet d'un homme ou d'un grand homme politique, le professeur Pascal Espoir. Elle était responsable à l'IPADES. Il s'est passé les choses qui se sont passées. Donc, quand je disais tout le monde est coupable, c'était ça en fait. La main tendue de M. Boukadé, c'est à tout le monde, c'est pas qu'à M. Sassou. Je l'ai dit et je réitère, ça concerne tous les Congolais, j'ai dit tout le monde est coupable. Madame Mounari peut ignorer, je ne dis pas ça pour la vexer, elle peut ignorer, ne peut pas être responsable de tout ce qui est arrivé en 97, mais n'importe comment, on lui posera la question un jour, de comment c'est arrivé. Et c'est à elle de répondre. Donc la main tendue la concerne aussi. Nous avons besoin d'elle, comme nous avons besoin de M. Parfait Correa. Comme nous avons besoin du MCDD, comme nous avons besoin de M. Sassi Mabiana, comme nous avons besoin du PCT. Parce que ce que nous voulons faire est déjà enregistré aux Nations Unies. Un dossier clair a été déposé, avec un contenu que nous avons finalisé. Ce que nous voulons faire, c'est pour sortir ce pays du marasme, de la tricherie et des aventures du genre celle de M. Martin Béry. Qui a voulu organiser un dialogue, disait-il, sous l'égide des Nations Unies. Alors que les Nations Unies, il y a déjà un dossier qui existait. Pourquoi ne pas se rapprocher de ceux qui ont déposé un dossier aux Nations Unies, comme nous, on va le faire, parce qu'on va leur envoyer des invitations. C'est pour ça qu'il y a la table ronde. Ce n'est pas l'accord de la conférence internationale. On va leur envoyer des invitations à tous pour qu'on s'asseye. Notre débat, c'est celle-là. Pourquoi eux, ils ne l'ont pas fait quand ils voulaient organiser un dialogue, soit-il inclusif, mais sous l'égide des Nations Unies. Pourquoi? Le gouvernement congolais a déjà organisé plus de 4 dialogues qui ont accouché que des petites souris. Aujourd'hui, nous voulons faire les choses dans les normes. Le dossier est là, avec un contenu. Nous allons appeler tout le monde, on va s'asseoir. Si Mme Mounari revient, il ne faut pas qu'elle revienne à Paris parce qu'elle a trouvé que, bon, je me suis exprimé la première fois. Je dois repartir la deuxième fois parce qu'il y a 300 milliards que M. Sassouba a mis en jeu, il faut que je prenne ma part. Non. Les 300 milliards, tout le monde sait que c'est pour l'élection présidentielle qui vient. Ce n'est pas pour relancer l'économie. Ça, c'est un leurre. Ne rêvez pas. M. Sassou. Attends, il y a 300 milliards qu'ils ont débloqués, là. C'est sérieux ce que tu me dis, là? 300 milliards? Le club de Brazzaville, soi-disant qu'il y a un club de Brazzaville, soi-disant, qui a dû sortir 300 milliards de francs CFA, de je ne sais où, pour prêter au gouvernement congolais, pour relancer, n'est-ce pas, les entreprises, payer la dette intérieure, bref. Mais nous savons tous que c'est pour aller vers l'élection présidentielle. C'est l'argent qu'ils vont mettre dans la campagne. Puisqu'ils veulent aller vers l'élection. Même s'ils n'ont pas fait les 200 francs,
avec les fils de 1900, ou c'est pas de 2016, non, de 2015-2016, c'est pas possible. Avec le massacre qu'il y a eu dans le pool, il est impératif de faire du recensement au pool. C'est un impératif. Si on ne prend pas une institution ou des institutions pour faire un vrai recensement au pool, pour savoir combien il y avait avant les massacres de 2016, combien il en reste de population, ça veut dire qu'on ne peut pas aller vers une élection. On ne peut pas. Lorsque, dans certaines conditions, on a eu de nombreux morts, on est obligé de faire un recensement général des populations et de l'habitat avant d'aller vers une élection. Mais le temps presse, nous sommes en octobre du pratiquement. Parce que nous sommes le 25, dans 5 jours, on est au mois d'octobre. Octobre, novembre, décembre, l'élection c'est bientôt. Le temps de faire le recensement, le temps de préparer les listes électorales, parce que ce sont les majeurs qui vont voter, donc il y a un travail derrière. Il faut renouveler cette commission électorale qui a toujours été contestée. Il y a plein de choses à faire derrière, mais ils n'ont pas le temps. Il y a François Brice Ngoï, qui dit que le club de Brazzaville a une filière bancaire du club de Paris, si vous ne le saviez pas, s'il vous plaît. Non, moi tout ça, je sais que c'est des bricoles. C'est des bricoles, c'est une façon justement de détourner l'argent du peuple en passant par. C'est un rapatriement de fonds, c'était. Hein. Peut-être que le monsieur ne le sait pas. C'est de l'argent qu'ils avaient gardé. Offshore, qu'ils ont rapatrié, c'est juste ça. Donc on leur a donné des facilités, comme à l'époque, Total l'avait fait, pour aider M. Sassou à faire rentrer de l'argent, de façon à redémarrer justement l'économie après la guerre de cette fois. Donc ça, c'est des manipulations, des réseaux qui ont fonctionné derrière, donc voilà. Bref, sur le plan financier, je peux parler à un certain moment. En parlant de ça, effectivement, il y a des bruits qui courent. Il y a eu les députés italiens qui ont voté, soi-disant, qui devaient partir du Congo pendant 2 ans. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous allez expliquer à toutes les personnes qui nous suivent ce soir. Et juste après, nous avons appris encore ces derniers temps que Total a tapé sur la table, ils veulent aussi partir du Congo. Est-ce que c'est vrai ou c'est des informations? Comme on dit, c'est des fake news. Bon, à mon niveau, je ne peux pas gérer ça parce que je n'ai aucune certitude, mais nous l'avons appris, nous avons lu, hein. Nous avons discuté avec certains députés italiens, Modeste Boccaccia notamment, et nous avons eu un retour. Là, c'est confirmé, oui, parce que ça, je peux le confirmer, vu que M. Boccaccia s'est entretenu avec certains parlementaires italiens. Donc là, l'information est juste le Parlement italien, justement, a fait pression des magouilles dans lesquelles il s'était impliqué dans la gestion opaque, n'est-ce pas, du pétrole congolais. Et donc, il y a eu une volonté comme ça. Ça, c'est certain et confirmé. Bon, pour le reste, je ne confirme rien. Je n'ai pas envie de fantasmer sur des probabilités, ni de surfer sur des incertitudes qui risquent de faire que je paraisse saugrenu. Mais il n'y a que, la vérité, c'est qu'ils ont eu 300 milliards. Ils disent avoir 300 milliards, mais c'est faut pas rêver, c'est pas pour relancer l'économie, c'est pour aller vers une élection présidentielle où ils vont corrompre des gens. Et donc, ceux de leurs adeptes qui ont toujours travaillé comme ça, vont activer leur parti politique. Leur machine politique va commencer à fonctionner à nouveau. Ils viendront à Paris, dans la diaspora, pour verser ou déverser quelques euros, de façon comme lorsqu'ils ont tenu... comment pouvez-vous comprendre? Quand tient une réunion politique à Paris, Madame Mounard, soit disant, et qu'on paye les participants à hauteur de 200 euros. Ça, c'est les rumeurs qui sont sorties de là. C'est des informations non vérifiées. Il paraît que chaque participant avait 200 euros. Mais écoutez, moi, je convoque des gens pour venir discuter avec moi, je suis obligé de les payer. Les 200 euros représentaient quoi si ce n'est pas de la corruption? Ça représentait quoi, les 200 euros qu'on a donné à chaque participant? Madame Mounari a tout donné à ces participants-là. Ça veut dire qu'on courant les autres. Moi, déjà, si vous m'invitez à une réunion politique, et que vous me dites que derrière, je vais vous payer 200 euros, je ne viendrai pas. Moi, j'ai pas envie de vendre ma dignité pour 200 euros. Je ne la vendrai jamais, d'ailleurs. Eh oui, tu la vendras jamais. 23h59, en tout cas,
Guy Richard Pando, ça a toujours été un plaisir pour moi de discuter avec toi parce que je viens même de voir la Moto Ayebi et les commentaires sont tellement formidables, ça n'engage que moi. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux dire à toutes les... Non, avant le mot de la fin, moi j'ai envie parce que je me rends compte que vous vous organisez pour la paix, je me rends compte que vous vous organisez pour trouver des solutions pour ce Congo de demain, mais je me rends aussi compte qu'il y a des guéguerres aujourd'hui, tu dois suivre, je ne peux pas terminer sans t'émission. Cette guéguerre sur Facebook entre les jeunes en train de s'insulter, de se taper dessus, de se parler, moi je suis. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes? Je vais vous répondre par une phrase de Montesquieu. Vous savez, en parlant de comment vous l'appelez? Bref, donc, je vais vous dire. Montesquieu disait ceci. Pourquoi faut-il toujours que les petites gens parlent mal des grands esprits? Ah, ça c'est beau, ça c'est beau. Tu peux le récupérer, tu peux le... Je la connaissais pas celle-là. C'est Montesquieu, hein, c'est ça. Montesquieu, on t'a dit. C'est toujours les petits gens, en fait, quand vous parlez de quelqu'un qui parle. Donc, c'est Montesquieu qui s'interrogeait parce qu'il parlait de Napoléon. Voilà. Parlons de Napoléon Bonaparte. Montesquieu s'interrogeait et disait, pourquoi faut-il toujours que les petits gens parlent mal des grands esprits? Lorsque vous êtes un grand esprit, vous ne vous intéresserez pas aux petits gens qui vont faire la guéguerre sur Internet. Aujourd'hui, certaines personnes faisaient la guéguerre à M. Boukadja, ils disaient qu'il était ici, c'était le diable, c'était... pendant que lui travaillait diplomatiquement, il avançait. Mais aujourd'hui, j'entends même qu'il y en a qui tendent la main, comme M. Modeste Boukadja veut tendre la main. Mais Modeste Boukadja veut tendre la main parce qu'il a été emprisonné sans raison, il est sorti de prison et il dit, je vous pardonne, je vous tends la main. Vous qui avez mal agi à mon compte, je vous tends la main. Donc, c'est justifié. Mais il y a d'autres qui arrivent et disent, bon, il faut pardonner, on va pardonner qui? On ne peut pas pardonner quelqu'un ou à quelqu'un qui n'a pas envie d'être pardonné. Si vous voulez être pardonné, il faut demander pardon. Il faut demander que le peuple vous pardonne. Ceux que vous voulez pardonner gratuitement ne l'ont pas demandé. Ils ne sont pas demandés. Ils sont prêts à reprendre les massacres dans le sud, à les tuer à nouveau. Ils sont prêts, ils se sont préparés. Ils ont acheté les armes pour ça. Donc, ils n'ont pas besoin d'être pardonnés. La seule manière cartésienne de pardonner, c'est de solliciter, de négocier l'amnistie générale de tout le monde. Mais ça, ça ne peut pas se décréter dans la rue. Ça ne peut pas se décréter sur Internet, sur Facebook. Il y a une démarche. Et la démarche, c'est celle que nous avons mise en place. Elle est scientifique. C'est-à-dire, on fait des préparatifs, d'abord, on se retrouve pour dire, bon, écoutez, nous avons un problème de nomenclature, vous voulez parler de conférence nationale, nous, on parle de conférence internationale. Parce que, monsieur, ça sait que ces crimes sont imprescriptibles. Donc, il n'y a qu'au niveau international, où lorsque les conditions sont réunies, qu'on peut parler de ça, pour que demain, s'il y a amnistie, que ce soit une amnistie internationale, que ce ne soit pas une amnistie nationale. Donc, conférence nationale ou internationale, en tant que sur la nomenclature. Dès qu'on s'est entendu dessus, on signe un document qui sera présenté justement aux Nations Unies pour dire, bon, voilà ce que nous avons décidé, une conférence internationale. Voici le contenu qu'on a donné à la chose, et donc le dossier est complété, terminé, et du coup, en ce moment-là, lorsqu'on dira, on va vers une conférence internationale, c'est le peuple qui se retrouve. Nous, on travaille pour le peuple, pendant que certains travaillent pour leur ventre, pour leurs égaux. On est différents. C'est pourquoi nous, on ne s'en fait pas. Vous pouvez nous critiquer sur Internet, mais nous aurons raison à la fin. Que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, si vous regardez la procédure. Mais on en arrivera là. Tout le monde va s'asseoir à la fin. C'est un passage obligé. Monsieur Sassou Nguesso veut mourir au pouvoir, comme Mobutu voulait mourir au pouvoir. Mais 100 jours avant qu'il ne meure, Mobutu a été dégagé du pouvoir. Donc, il est mort réfugié et non pas prisonnier. Donc ça veut dire que tout peut arriver. Mais moi j'ai toujours pensé que lorsque je sais que tout peut arriver parce qu'on ne contrôle pas l'avenir, même le plus proche demain, on ne contrôle pas, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc en ce moment-là, négocier serait la juste voie pour les Congolais. Je parle aux Congolais. Je dis ce
être dirigeant politique arrivera à Paris, mais pensez à vos enfants qui se payent à 22 francs dans les écoles. Est-ce que ces enfants-là, quand vous avez les 100 euros, vous avez payé vos factures, eux, ils ont mangé. Est-ce qu'ils ont cessé de s'asseoir à 22 francs? Non. C'est à eux qu'il faut penser. C'est pourquoi nous, on se force à travailler pour ne pas se demander. Mais chercher du boulot en France, c'est possible. Chercher du boulot, travailler, au lieu de suivre des gens qui arrivent pour vous manipuler. Parce que eux, on va leur donner des millions derrière. Et s'ils ont reçu 200 millions pour vous manipuler, ils viendront vous donner 100 euros, ils vous manipulent et puis ils rentrent. C'est pour qu'être ridicule demain. Parce que pour moi, chaque fois que j'entends que quelqu'un a été corrompu dans la diaspora congolaise à Paris, il a reçu 200 euros pour critiquer, pour dénoncer, pour dire ceci, 200 euros, ça veut dire pour moi que c'est inutile. Dans l'avenir du Congo de demain, en fait, le Congo de demain, moi, je ne compte pas sur ça. Donc, vous avez déjà détruit votre carrière politique. Pour moi, c'est ça. J'apprends aux côtés d'un grand homme, M. Boukadia. J'apprends aux côtés de quelqu'un qui, diplomatiquement, je dis bien diplomatiquement, quand il met sa machine en marche, il peut broyer. Mais il n'est pas là pour broyer. Et puis, allons-y tous au Canada. Confiamé. On s'assoit et on discute parce que c'est notre pays. Lui aussi, il pouvait prendre de l'argent, il pouvait prendre des sous, il peut s'asseoir chez lui et ne pas parler de conférences internationales, ne pas aller dans toutes les situations, à l'heure le plus partout où nous avons été la semaine dernière pour finaliser le dossier, le contenu du dossier. Donc, du coup, moi, je suis juste en train de dire ceci. Arrêtez de querelles. Le problème ne se trouve pas dans l'appartenance ethnique. Le problème ne se trouve pas dans le discours genre Bembe Congo, comme vous l'avez dit, ni Moshi, ceci, non. Sassou Nguesso n'aime ni les Moshi. Parce que s'il aimait les Moshi, il allait l'écouter maintenant. Parce que ce que nous faisons, c'est pour sauver la vie de Moshi. Vous avez parlé de l'avenir de Moshi après Sassou. C'est nous qui sommes en train de travailler pour l'avenir de Moshi après Sassou. Parce que Sassou Nguesso, lui, ne travaille pas pour ça. Il travaille pour gérer le pouvoir. Point barre. En même temps, on ne va pas écarter cette hypothèse. Il a besoin de réfléchir hein, pour se protéger. C'est ça la stratégie politique. Mais en même temps, il doit avoir du cœur pour dire que j'ai gaspillé l'avenir de nombreux jeunes au Congo à qui j'ai donné des armes, du chanvre et toutes les drogues nécessaires pour les massacrer. Quel sera leur avenir demain après moi? Si ces jeunes ne sont pas amenés, le premier bandit qui va faire un coup de gaz, comme vous passez les pauvres de Gadis Camara, au Congo-Brazzaville, il va massacrer. Il va massacrer. Ok. On veut mettre des gardes. On veut mettre des gardes fous. Et pour mettre des gardes fous, il faut une institution. Et l'institution, c'est une conférence internationale qui sera souveraine, non seulement sur le plan national, mais au plan international, et qui va prendre des mesures sur les sociétés de la gestion du Congo de demain. En même temps, on intègre la dimension totale et ni Congo et toutes les autres sociétés qui doivent investir les multinationales, parce que c'est eux qui créent aussi la guerre. Et les troupes dans les pays. Donc, notre démarche, elle est nationale et supranationale. Donc, quand je parle de ça, ce n'est pas une question de vote, ce n'est pas une question de Sassou, de Boukadia ou de tout. Non, c'est une question de survie nationale, c'est une question, n'est-ce pas, de responsabilité d'État. Voilà. Donc, il faut qu'on sorte de la mesquinerie qui vous caractérise, parce que moi, je ne suis pas là. Il faut sortir de ça. C'est ce que nous sommes en train de dire au Congo. La conférence internationale se tiendra. Mais okay. Pour que ce soit avec vous, vous, s'il vous plaît, j'appelle à tous ceux qui ne se sont pas encore enregistrés, parce que là, nous avons près de 200 associations et personnes. On va envoyer maintenant les invitations aux hommes politiques, tant de l'opposition congolaise que du pouvoir. Et tant ceux des Nations Unies que des différents pays qui nous soutiennent. Les invitations vont partir et la date est arrêtée au 28 novembre. Mais c'est une date provisoire. Nous allons plutôt fixer la date en fonction des événements du Covid-19 en France. Voilà ce que j'étais en train de vouloir vous dire. Guy Richard Pandeau, pour le mot de la fin, pour toutes les personnes qui t'écoutent, on va se quitter. Et je les aime tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et voilà, merci.
encore là. On va continuer à expliquer ce que nous sommes en train de mener comme démarche. Et donc, au nom du peuple congolais, que nous représentons, moi je peux dire que je représente le peuple congolais. Je parle au nom du peuple congolais parce que le peuple congolais a besoin de paix, a besoin de dialoguer, a besoin que les hommes politiques et ceux de la société civile s'asseyent, tant ceux des confessions religieuses. Donc moi je peux dire que je parle au nom du peuple congolais. Parce que les valeurs que nous défendons sont universelles et c'est celles que demande le peuple. Merci. Merci Guérisha Pando d'avoir accepté mon invitation. En tout cas, le plaisir était pour moi. Frères et sœurs, vous savez, quand j'écoute Guérisha Pando, que puis-je dire encore ce soir? Vous savez, moi j'ai eu cette chance, nous étions en plein mois d'octobre 2015, je suis allé rencontrer le président Boccadia. Nous avons échangé, c'est sur YouTube. Et c'est un témoignage que je vous fais aujourd'hui parce que j'ai connu ce monsieur, et c'était le 17 octobre 2015. J'ai appris à le fréquenter, j'ai appris à l'approcher. Nous nous sommes échangés pendant 2, 3, 4 mois. Et un matin, M. Boccadia décide de rentrer au Congo-Brazzaville, déçu par la politique, par ses amis politiques français, parce qu'il en a, comme a dit Guérisha Pando, parce que je connais le calepin de M. Boccadia. Et il a dit, rentre chez lui au Congo. Il faut en avoir des tripes, excusez-moi le terme, il faut avoir des couilles. Comme il a fait, parce qu'il savait très bien ce qu'il attendait. Il est allé au Congo. C'était un 16 janvier matin, il a pris le vol d'Air France de 10h50. Il arrive au Congo, accueilli par une troupe d'armée. Il l'a accueilli à Brazzaville comme un vulgaire voleur. Il l'a emmené directement à Pointe-Noire. Et ils l'ont jeté à la maison d'arrêt. Et oui, très chers frères et sœurs, c'est ce jour que j'ai décidé de créer cette émission Ibakacho pour Boccadia. Parce que j'estimais que s'il lui arrivait quelque chose, j'allais un tout petit peu être responsable de sa mort. Il n'y a que M. Boccadia qui sait de quoi je parle. Et le voilà aujourd'hui. Sorti de prison, il a fait le tour et il a dit « tends la main » parce qu'il est visionnaire, parce que ce qui va se passer demain, l'après s'assoit, l'avant s'assoit, si nous ne nous organisons pas, ce pays-là va rentrer dans une débandade totale. Parce que ce pays est bourré de mercenaires, des réfugiés politiques, mercenaires qui ont fait des guerres au Rwanda, qui ont fait des guerres au Tchad, qui ont fait des guerres au Centrafrique, qui ont fait des guerres à Kinshasa. Ils sont tous au Congo, prêts à tirer sur cette population, juste pour vivre en paix au Congo. Ne l'oubliez pas, hein, ce que je vous dis. Ce pays est rempli des Libanais de Hezbollah. La moitié des Libanais au Congo, c'est des gens de Hezbollah. Je n'ai rien contre les Libanais. Si, j'ai beaucoup de contre eux parce que c'est des gens qui foutent ce pays dans la merde. D'abord, ils n'ont jamais aimé les Africains. Ils nous prennent pour de la merde. Et quand ils sont chez nous, toute cette bande de voyous politiques font des Libanais comme des Blancs, comme ils sont complexés, ils sont vexés face aux Libanais. Et voilà le résultat aujourd'hui, ce que les Libanais nous font. Oui, les Libanais. Aujourd'hui, il y a un grand concert qui se donne là. Tous les grands artistes français se réunissent pour les Libanais parce que leur pays a été détruit. Mais posez-vous la question. Pourquoi à chaque fois ce pays-là, tous les 20 ans, il faut le reconstruire? Guerre, la guerre.
Et quand ils arrivent chez nous, ils nous prennent pour de la merde parce qu'ils sont obligés de travailler comme des chiens pour construire chez eux. Et pourtant, nous vivons dans la paix, dans la tranquillité. Nous avons nos problèmes. Mais malgré nos problèmes, on a rajouté encore les problèmes. On a pris les Tchadiens, les Libanais, les Sénégalais, les Maliens, tout le monde chez nous. Sans doc. La moitié, c'est des clandestins. Les trois quarts même. Des clandestins. Et ils sont tous au Congolais aujourd'hui, c'est eux qui vont aller voter en 2021. Je l'avais dit, moi, dans cette émission. J'avais dit, vous allez laisser le boulevard au PCT, je l'ai dit il y a 3 ans. Et vous venez ouvrir votre putain de gueule en disant de dire que vous êtes opposant, vous êtes quoi que ce soit. Vous faites le jeu, vous êtes en train de jouer. Mais regardez tous les propos que vous tenez. Mais Moudilou a fait ce cinéma là en 97. Maudilou a passé sa vie à insulter Sassou, à insulter les embauchés, insulter le pouvoir. C'est les mêmes jeux que vous nous emmenez. Mais heureusement, j'avais anticipé, il y a 3 heures, j'avais dit, vous allez laisser le boulevard au PCT. Mais ils ont déjà gagné. Par vos futilités, par votre imbécilité, par vos égos, vous ne vous entendez pas, vous êtes là en train de vous tirer dessus. C'est comme si on dirait, vous avez, mais vous connaissez lui. La médiocrité, elle est là, au vu de tout le monde. Et maintenant, vous commencez à vous en prendre aux gens, mais les gens vous ont fait quoi? Les gens vous ont fait quoi? Votre problème, c'est le Congo, comme a dit Guy Richard Pando tout à l'heure. Mais vous pensez qu'ils sont fous? Après avoir plus de 29 prisonniers, en 2009, dont aujourd'hui beaucoup ont disparu. Les militants de Modeste Boukadia en 2009, ils ont été 34 arrêtés. Boukadia est exfiltré, heureusement. Il ne serait pas en vie depuis 2009, ce monsieur. Et le voilà aujourd'hui, il revient. Pour dire, bon, voilà. Et les gens sont dans le cinéma politique. Mais vous n'allez pas nous berner. Nous sommes une génération, on vous regarde. Mais parce qu'on a dit, moi personnellement, j'ai dit, allez vous faire foutre tous, sans exception. Parce que j'ai pris mon micro pendant 5 ans pour tirer la sonnette d'alarme, que vous allez arriver au bord, vous allez arriver au chaos, et vous y êtes au chaos, et maintenant vous voulez vous en prendre aux gens, mais en prenez-vous à vos familles, en prenez-vous à vos mamans, à vos parents. Moi je l'avais dit en 4 ans, beaucoup Bomana. Il y a 4 ans, j'ai dit beaucoup Kemba. Il y a 4 ans, j'ai dit Kamba Lamine Simbate. Et Simbite. Bomita, là, n'a beaucoup molé là. J'avais dit trop de vidéos dessus. Binoutou beaucoup Piangaïti. Bon copier, bon ça là. Gana beko. Bah oui, là, on a vu Bazanga. Bébou, mon abou, Zanga, moro. Koutoumbo, on a vu des vieux, beaucoup mate. Pour moi, les minos, va libérateur. Beaucoup libéré, Mbogana, beaucoup libéré. Qui quoi ça, là, la moune, bah, tchakou, bah, bima, la Facebook. Agagagagagaga, pou, velo, balia. Quoi, même, vidéo, pamba, ou kokali, soute. Quoi, bah, devia. Peming, bobo, devia. Parce que, comme, la bina, vrete, à l'oukouta. Bon, le coup, ma gang, gang, na poto. Yo mona na poto gangi ali ba mesni ba bara ba wa. Ata 72 masasi. Na rompo la republique côté Burundi. Voilà les gangs poto. Peto ba ba vrai gangi na mboko. Ba suka gangi na poto. Ki gangi na mutu, ki gangi na chiki. Gangi ya chika mutu. Et nous qui
gangi robuka septa mtu na bile kraka e kraka parce que bim bo sala bagir e bagir bo bione minisa bino mtu kidogo la basasi bani bo kraka mais ambo bo kraka na Facebook ti mino bo soupe. Au nom de Jésus, tu sois prêt là, ma boutique, tu as un autre. 10 ans à poto. Bosama kele la pona bozo da doko bozo doko te parce que dok bazwa kangu dler ba senga ka dok ba dozaka ba dozaka ya bino ko makata ta 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 opposition qui l'opposition. Opposition dans Bogana. Opposition à Paris. Quel opposé à Paris? Bois capable de vendre la même vin. Et l'or à l'issue. Bois démontrer que vous avez réunion beaucoup que ça a 50 personnes. Et l'or à l'issue. Même 25 à Pamba. Et l'or à l'issue. Bisona ba saneri tamba tombeta ba 250 personnes. Bozoa biso bo ekraza parce que le bino boye bi parce que ba intellectuel bo kenda ba chika milai bo awapi. C'est une minute bo keva. To bata mala ba pale parce que COVID yo ya. Bo zonga. C'est juste pour dire banane. Moutou na moutou aya na poto na biena. Moutou na moutou aya na poto na biena. Bino boa ba activiste, boa ba combattant, boa ba chef, boa ba nini. Bosa makambo na bino. Bosa la makambo na bino. Ngana l'banda yon mission pour na Boukadia. Bakange na boloko na du tchako na ngana bani. 16 janvier 2016. J'ai dit tant qu'à Robin Maté, n'a pas quatre. Tant que mon coco à Robin Maté, n'a pas quatre. J'ai même failli arrêter la dernière fois, j'étais tellement ému. On m'a dit, Bob, tu es contente, tes prisonniers sont sortis. Oui, j'étais ému, j'ai atteint mes objectifs. J'ai atteint mes objectifs. Donc c'est pour vous dire, très chers compatriotes, nous ne sommes pas dans un... Moi, je ne suis pas venu sur les réseaux pour m'amuser. Et vous allez me voir tous les lundis. Vous allez me voir tous les mercredis, tous les vendredis. Jusqu'à ce que je rentre chez moi à Fourroussé. Et je rentrais chez moi. Pena au kota wenze na chipo yengai. Wenze shengai 753. Donc, j'ai nabina moutou na se. Makolo li kolo. Bosa lango na ngaite. Nalingi bo hiba ba video na ngaite. Nalingi bo simba biloko na ngaite. Boti kangai sui nenga na tika abino sui bomona nga na tala abino bomona nga na kiparabino bomona nga na benga abino na kiparabino na benga batu nangai bati nanga 20 euros pour ne baka sui vanda chaque fois na le kabo ekuta nga 20 euros chaque fois en 4 ans boti ni kasi na tonga même pas l'étage maintenant on s'arrête au plaisir chaque fois na le kabo 20 euros.
Je repère ça, je vais facturer. Chaque émission, donc les logos, 20 euros. Puis vous avez un sacré esprit dans moi. Bonne soirée à vous. Monsieur Modeste Boukadia, bonsoir. Et encore une fois, merci. Que Dieu bénisse toute la famille Boukadia. Tous les cas. N'est-ce pas que vous sautez, mais...